Bonsoir Stella, bonsoir à tous. Les débats ont duré toute la journée ici à Herbalong et nous sommes avec le père de Julie Douib, assassiné le 3 mars 2019 par son ex-compagnon à l'île Rousse. Lucien Douib, bonsoir, merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez tenu à être présent ici aujourd'hui ? Oui, alors je suis très content d'avoir été invité ici aujourd'hui parce que c'est une nécessité pour moi d'expliquer aux gens que c'est un fléau, c'est une épidémie et que si ma présence peut faire changer les choses, je suis là, voilà. J'ai beaucoup apprécié qu'on m'invite parce que si c'est ma parole qui doit faire bouger les choses, qu'on l'écoute un peu plus, ça aura servi à quelque chose de toute façon. Ça fait bientôt 7 mois que votre fille a été tuée par son ex-compagnon. Ce que vous avez expliqué quand vous avez pris la parole, c'est que c'était très difficile encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup de femmes qui sont venues témoigner des violences qu'elles subissaient. Est-ce que vous êtes aujourd'hui une personne vers qui on se tourne pour parler de ces sujets justement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se tourne pas forcément vers moi. Moi, je suis là aujourd'hui pour apporter mon vécu, ce que je vis encore aujourd'hui. Il y a des associations qui sont là pour aider ces femmes, qui le font très 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 bien. Moi, je suis là pour expliquer aux gens et à qui de droit qu'il ne peut pas continuer dans ces conditions à avoir des assassinats de femmes, peu importe les femmes. Je trouve ça un peu dingue qu'aujourd'hui, on en est arrivé à 109, alors qu'il y a au mois de mars, quand ma fille a été assassinée, on en était à 30, et qu'en 6 mois et demi, il en est quand même arrivé pratiquement 79. C'est dingue. Et si on peut aider ces femmes, comme une dame qui est venue aujourd'hui nous expliquer qu'elle vivait aujourd'hui encore, après 6 mois et demi, la même chose que ma fille a vécue, je ne comprends pas. Avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on essaye de faire bouger, que cette femme se retrouve seule, livrée à elle-même, avec des enfants, et qu'elle soit obligée d'avoir peur. Et justement, selon vous, vous parlez des associations, mais où est-ce que ça cloche ? Est-ce que c'est la justice ? Est-ce que c'est la police ? C'est-à-dire, c'est les associations, je pense qu'elles font un travail énorme, comme j'ai déjà dit. C'est sûr qu'il y a des manquements, c'est sûr que ça bloque quelque part. Il y a, comme pour ma fille, on nous a pas écoutés, je l'ai déjà dit. Mais encore une fois, je ne peux pas dire où ça bloque. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'attention, il y a un manque d'écoute de ces femmes qui viennent se plaindre. Et on doit les écouter, on doit les protéger. Et ce qui s'est passé, c'est que le 3 septembre 2019, vous avez été reçu par le Premier ministre à Matignon, vous avez ouvert le Grenelle sur les violences conjugales. Selon vous, est-ce que ça va changer les choses ? Moi, j'en suis. D'abord, j'ai été très honoré de pouvoir ouvrir le Grenelle, et je pense sincèrement que ça va changer. Malheureusement, il faut du temps, et le temps, on n'en a pas. J'ai proposé certaines choses, et j'ai demandé que ça se passe demain. Voilà, comme aujourd'hui ici, on demande que ça soit fait demain. Demain, ça ne sera sûrement pas demain, mais entre-temps, chaque temps qui passe fait que des personnes vont mourir, et ça, c'est anormal.